Nous faisons la constitution côté l'établi. Ce n'est pas un constat, c'est un fait, son réalité absolue liée. Des séries de monde, je ne dis pas, qui ont des postes de responsabilité, qui ont même ta sensé gagner pour mission, mener pays à bon port, chercher stabilité et sécurité pour chaque haïtien, c'est yon même nous constater qui a financé violence, qui a financé gang pour créer chaos généralisé. Entre temps, yon même, y a plein poche, yon, y a fait l'argent, y a dépensé l'argent, y a investi l'argent dans l'autre pays. Dans ce moment-là, c'est communauté internationale, c'est lui-même, peuple haïtien, considéré comme sauveur. Tout j'ai braqué, tout j'ai fixé sous États-Unis, sous Canada, sous Nations Unies, qui pral gagner pour sortir liste, qui pral gagner pour sanctionner vagabonds corrompus, criminels, ça y nous gagne comme autorité, comme dirigeant. Et pourtant, même États-Unis, même Canada, ça, pas qu'être notre pays, je ne dis pas, qui a fait être passé pour zami Haïti, comme pi bon allié Haïti, te kayen sous scène internationale là. Et pourtant, c'est même yon même nan qui a ban kounando ka pounyade nou avec gouvernement Ariel Henry. Rete la, mbral bon détail. Gros rebondissement nan dossier assassinat président Jovenel Moïse. Sou pat konnen Mabdouli, eh bien, juge d'instruction Walter Wissevolter qui sous dossier, li te délégué pouvoir gagner, il te baye DCPJ, commission rogatoire, pour enquêter sur assassinat Jovenel Moïse. Et nan moment n'a parlé à la, des interpellations qui fait, des deux moun yo maré tant kou krab, qui gen implication présumée yo dans dossier Jovenel, dans touye Jovenel, et non seulement ça, qui gen lien étroit avec ancien sénateur John Joel Joseph, qui lui-même, dans moment-là, trouvé aux États-Unis pour implication présumée le gagner dans dossier assassinat président Jovenel Moïse. Et la fini émission jeudi en là avec un bilan économique de situation pays. Nous constatons, dans le moment pour fin année là, c'est occasion côté banque, il y a chanté client, il y a bail client, et bien, comment on dit, il y a bail au bouloc, il y a bail au bouloc. Ou al nan bank pa gen dola. Ou al nan bank limite ki quantité l'argent la ba ou sou retrait ou vin fè a. Et situation sa, li leve plim sou do client yo, ayisyen commencé yo di yo pa pran bagay sa nan men bank en dedans la République. Et dossier sa son dossier qui extrêmement important. Tout j'ai fixé sous lui parce que yo fè konnen derrière dossier ça, gagne main politique qui cache la dalle. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue. C'est un plaisir pour moi avec vous aujourd'hui. Dans l'émission parlant, mon éditorial avec Yannick, nous pral parler pays, nous pral faire débat, nous pral regarder ensemble, analyser ensemble, évolution qui gagne dans la situation sociopolitique paysan. Sous pourquoi abonner avec Chanel là ou sous TAC 509 tout haïtien connecté. Et c'est toujours un plaisir pour nous là avec vous, pour nous informer, pour nous dire exactement qui ça a passé en dedans dans la République sans voyer monter n'a pas au bagaille là Jean lié. Donc déjà m'abdou bienvenue m'a rappelé d'autres jeux nous connaît projet fin d'année. On pas oublier le faut moi toujours venir avec sous tapis pour me porter le banou nous-mêmes qui toujours là pour supporter nous-mêmes qui toujours là pour encourager toute initiative que n'a prend pour nous aider l'autre monde qui en nécessité l'autre monde qui en besoin. C'est vrai situation pays en difficile, c'est vrai chaque monde gagne le problème pa yo, mais nous constater gen des séries de monde qui a vivre dans société, gen des séries de haïtiens compatriotes frères sœurs nous yo qui n'ont nécessité, qui n'ont besoin, qui n'ont situation difficile, qui n'ont vulnérabilité, qui enragé, moun sa yo pa gen moun pou yo compter sou yo pa gen l'état ka voyage garder yo pa gen moun qui a pensé avec yo. C'est ça qui est extrêmement important. Là nous prenons initiative pour nous aider moun. Moi toujours inciter, moi toujours à chercher l'autre monde qui voulait supporter, l'autre monde qui voulait aider, l'autre monde qui voulait faire un coup de main dans le projet. Parce que je dis en là, nous vivons dans une société côté que nous mettons tout chaque pays, toute responsabilité moun en dedans pays qui vivent en Haïti dans le moment là, sous sol là. C'est diaspora qui yon même a supporté. C'est diaspora qui a investi. Et c'est une des raisons yon toujours dou dans chaque bilan qui fait,
yo toujours doit chaque exercice fiscal, c'est exercice fiscal l'autre, yo toujours dou l'agent diaspora envoyé pour année en Haïti, li évalué à près de 3.4 milliards de dollars américains. Pour qui ça? Parce que c'est diaspora qui aide, c'est diaspora qui ba écoute, mais yo l'école, yo manger, yo l'hôpital, yo travail, yo loisir, yo tout bagay. Donc, l'extrêmement important journée jodi an là pour nous chercher moun ki pi faible yo, moun ki non situation difficile yo, moun ki vulnérable yo pour nous aider yo, le peu que nous ka ba yo, le peu que nous ka aider yo an nous fèl. Moi même dans projet an là rive bay moun sa yo, moun ki handicapé yo, moun ki non situation vulnérable permettre yo boire sous 1er janvier. Gen une série de amis qui t'ai espéré que qui t'ai gen temps et gen attente et par rapport avec l'autre projet ou t'ai gen ou t'ai présenté devant m côté ou t'ap tann support moi de série de monde qui gen projet 10 000 goud, 15 000 goud, 20 000 goud. Mais nous obligé font l'autre réflexion par rapport avec moun sa yo, moun sa yo qui paye moun k'a pensé avec yo journée jodi an là, c'est yo même qui sont ses priorités. On moun peut-être n'te promet ton bagay pour faire année à que t'a joindre ou pas joindre ou pas besoin fâché parce que jodi an la des séries de moun qui pas contre ça y a manger à souhait qui pas contre ça y a manger leur lever c'est eux même nous obligé viser. On moun qui gon problème 1000 goud, on moun qui gen problème 5000 goud, m'a préféré prendre 5000 goud gagnant pour m'bay 5 moun qui gen problème 1000 goud. Pour qui ça? Parce que moun sa yo a 1000 goud lan, yo gen espoir pour acheter un petit spaghetti, pour acheter un petit mamit charbon, pour acheter de green magi, pour acheter tout ça y a besoin pour yo faire manger, te mettre 11 jours, 2 jours au moins, yo konnen au moins 20 yo bon bagay la dan, yo konnen même le 1000 goud lan pa ka, même 1000 goud lan pa ka regle rien, mais au moins moun sa yo konnen gon trou bouché pour yo. Journée jodi c'est ça que fait moi même m'inciter ou même qui voulait aider ou même qui voulait contribuer ou même qui voulait partager en nous fait parce que gain plus bonheur, gain plus satisfaction, gain plus plaisir, gain plus bénédiction leur bail que leur recevoir. Et moi même connais que des séries de monde yo toujours là pour yo recevoir, yo pas jamais là pour yo bail, yo toujours là pour yo recevoir. Et si expérience moi même fait dans projet initiative me prend là sur plateforme là, m'a partager ça avec nous avant même rentrer pour faire rapide pour rentrer dans l'émission. Me songe te gagner projet fait demain m'a réalisé. Gon dame qui relè moi qui dit pas oublier parce que dans zone côté moi même t'ai décidé aller, il pas dans zone non, et puis il dit pas oublier lui, il gère de petit monde, il a gagné mari, situation difficile pour lui, pour me penser avec lui. Me dit pas gagne problème, m'a penser avec lui, lui mettre voyer numéro mon cash lui. Nous m'a demandé me causer c'est dit m'a dit non. Le mal est pour me voyer contribution en bas et dame dans sous mon cash, en vérité li pa ka pran encore. Yo di m kont li foul li pa ka pran encore. Ça veut dire quantité l'argent gen sou mon cachan, sûrement mon cachi pa t'élargi. Quantité l gen sou mon cachan, li foul forcé retirer pour ta retirer pour ça m'a voyé balier pour ta prendre. Donc imagine un moun ki gen tan gagner, la tente boucher trou l'autre moun ki pa gen même. Là, nous pas seulement contenter nous pour nous dire tout temps, c'est seulement autorité au cap craser pays. C'est international qui a crasé pays, c'est secteur privé qui a crasé pays. Bon comportement compatriote, on haïtien pareil nous gagner, moun sa li contribuer largement dans crasé pays. Alors boucher tout l'autre monde qui pas ka gagner même qui pas ka joindre même alors que ou même ou gagner. Qui conscience ou quoi conscience ou quoi bon sens ou. Journée jodi an là, l'important le n'a bail pour nous viser moun qui n'a besoin au tout bon. Et c'est ça que fait moi même l'homme prend initiative que on moun content que on moun fâché initiative là objectif là me supposer atteindre tête droite sans détour. Donc ou même qui veut supporter initiative là, qui veut supporter projet a pour nous bail moun petit souple pour fin d'année là, pour janvier qui venir là, relève écrit dans numéro émission parce que ça extrêmement important pour moi et m'a douli encore plus bénédiction en bail que n'en recevoir. Sans perdre du temps, on nous rentre dans information nous gagner pour aujourd'hui là. Bon mes amis, nous connaît comment dossier assassinat président Jovenel là lié. Et dossier ça son dossier, j'ai l'impression son véritable film d'horreur lié. Son véritable film d'horreur, à chaque moment, gen un rebondissement là-dedans. À chaque moment, gon nouveauté. À chaque moment, gon bagay qui vini, c'est l'affaire dans l'affaire. Déjà, en dedans, pénitentiaire national, gen près de 26 policiers, yon te interpellé, yon te marié. Gen chef police d'alors là,
Léon Chol, qui de temps en temps la monte descend dans cabinet d'instruction, de temps en temps la monte à joindre juge Walter Wissé Voltaire, qui a auditionné, qui a posé la question, des confrontations qui fait entre lui-même avec Dimitri Ra, entre Léon Chol avec Jean-Aguel Civil, parce que témoignage, ça, Léon Chol a bail comme information, il n'y a pas concordant, il n'y a pas cohérent, donc juge d'instruction a cherché la vérité. Et dans même ligne pour chercher la vérité, hein? L'été délégué en partie dans le pouvoir, l'Ibaï, DCPJ, pour DCPJ enquêter, continuer à mener l'enquête là, faire descendre de lieu, aller chercher information, aller faire perquisition, etc. Et le DCPJ enquêter, il prend joindre deux autres monde qui participaient activement dans le complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Qui est-ce que y a? Fausté Miradieu, qui lui-même, lui sont anciens militaires, et actuellement là, lui c'est grosse sécurité dans l'entreprise en dedans pays. La police pas fait mention de qui entreprise privée la travaille, pour une raison ou pour l'autre, mais lui c'est gros chef de sécurité dans l'entreprise en dedans la République. Et nous avons un inspecteur divisionnaire, Emmanuel Louis, qui lui-même est affecté dans le commissariat d'Elma, il joint que lui impliqué activement dans le complot pour assassiner le président Jovenel Moïse. Et là, la police a fait perquisition, le DCPJ débarque la Kaili, il a joué 3 permis pour armes qui sont propriété ancien sénateur John Joel Joseph. Là, premier bagaille qui doit monter dans la tête, c'est proximité, c'est lien ça, c'est connexion ça qui gagne entre Emmanuel Louis avec John Joel Joseph. Comment vous avez permis qui se propriété John Joel Joseph Lacayo. Et DCPJ, la police montre des séries de matériel yo joine kay Emmanuel Louisa. Li gen tout grade la police Lacayo. Nous pas connait si son association malfaite, li te tout profiter monter. Si il a participé dans kidnapping, si il a participé dans assassinat, si il gen corps gang ni, c'est là yo pral auditionner, c'est là yo pral poser les questions, yo pral chauffer ça m'gonne. C'est là ça peut-être la dit s'il pas fait partie d'une association malfaiteur. Journée aujourd'hui là, gon bagay nous doit comprendre, gon bagay nous doit connaître. Complot qui mené avec assassinat président Jovenel Moïse, son complot de haut niveau lié. Son complot de haut niveau et c'est une des raisons qui fait moi-même m'a posé tête moi question. Tout temps de Abdou, nègre de dans PNH au courant de assassinat, mais qui est Jovenel Terrel, mais qui est Jovenel Terrel, etc. Mais on coup comme ça monter, on coup comme ça monter là dans Caraïbes blanc pour États-Unis, pour ambassade américaine pas au courant de complot qui a monté pour tuer Jovenel Moïse. Pour pas au courant de bagaille ça et d'ailleurs pour quand tu es policier qui participe dans le complot, qui implique, qui a implication présumée dans tout le Jovenel Moïse, soit fait des comptes. Soit fait des comptes quand tu es policier qui dans la pénitentiaire nationale, mais on prend de là et mettez sous li gen 11 qui ont envie de recherche, qui ont mandat d'amener des là. Ou on garde pour quand tu es policier qui t'es affecté à sécurité Jovenel, joue soit ça. Premier bagage, une instruction était supposée faire, c'est chercher tout, marrer tout définitivement. Parce que, dans la situation, il est là. Assassiner un président, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet lié pour ça arriver fait. Pour convaincre les policiers pour rentrer dans le coup. Il y a l'argent qui baille. C'est fin marrer tout nègre. Et c'est une des raisons où Gary Aurélien. Gary Aurélien, je ne peux pas pardonner. Parce que Gary Aurélien, lui montre que lui sont corrompus. Lui montre qu'il y a une implication. Non, boy, côté enquête pour au moins te faire lumière sur le dossier Jovenel Moïse. Pour qui ça? Depuis ces policiers qui t'ont affecté à sécurité présidentielle l'an jour, on s'est marré tout. Après, on va déterminer est-ce que quelqu'un te prend l'argent, est-ce que quelqu'un pas te prend l'argent. Déjà, Léon Chol à l'époque, qui était directeur PNH, il était loué en bas de longtemps. Il était loué dans des même côté avec tout nègre. Il était loué après réfléchir pénitentiaire nationale, même côté avec tout nègre. Joune jodi a ap gade, au lieu que nègla li yon kote pou le réfléchir, au lieu que Léon Chol yon sanctionnel, par contre si c'est pour implication présumée, au lieu que yon sanctionnel pour incompétence li, m'ka di de manière beaucoup plus correcte, ou est se promotion Léon Chol bro, ou est Léon Chol c'est ambassadeur, ou est Léon Chol c'est diplomate, ou est Léon Chol c'est représentant Haïti dans diplomatie,
n'a fait pays ou bien rentrer dans français. Nous gagne justice ou bien rentrer dans français. Journée jodi an la, rive konvè kon nèg pou participer non assassinat, non complot, on président encore plus. C'est pas un bagage en grand jour. C'est pas un bagage 24 heures. Son bagage qui prend temps, complot pour tous les journal là, son complot qui prend temps pour yon konvèk policier, pour policier konnen est-ce que pas gen risque, pour policier konnen est-ce que gen moun ka pa assurer rien li. Son bagage qui prend temps pour monter. Donc pendant colombien yon vini, pendant dans cette il y a l'argent qui a débloqué voyer ba en Haïti pour mettre colombien dans caill pour louer machine pour colombien yo pour acheter zam pour colombien yo pour faire ceci pour faire cela madame madame la limba au courant Michel Cizène pas au courant yo youn pas au courant que Jovenel t'a pral mourir comme ça yo youn pas au courant que t'a pral assassiner Jovenel Moïse comme ça en vérité. En vérité, moi-même, si j'ai eu une instruction sur le dossier, ou est-ce que les CSPN, à l'époque, ont assassiné Jovenel Moïse? Faut mettre ça, ou t'as vu une défilé devant me grain par grain. Pas de question, et tel pas au courant, et tel pas là, ou t'as qu'à assassiner tout, s'il a enquêté sur le dossier Jovenel Moïse. Yo t'as défilé devant me grain par grain, et peut-être c'est moi qui t'as pral craser CSPN dans plaque, parce que nèg sa yo, de loin, de très loin, de près ou de très près, yo te konon bagay quand même, yo te tendon bagay quand même. On parle d'alors, on parle de ministre intérieur. Pourquoi Rockefeller, Vincent, était ministre intérieur à l'époque? Non. Rockefeller, lui-même, était ministre justice. Ministre intérieur était Gonzague Dey. Li pa jamais prononcé lion froid. Pas jamais prononcé lion froid. Alors que nous avons CSPN qui là, qui pour gérer question sécurité en dedans pays. Nous avons CSPN, c'est eux-mêmes qui a monté plan stratégique qui est pour avec sécurité en dedans pays. Nous avons ministre de l'Intérieur, c'est lui-même qui contrôle tout petit coin en dedans pays. Hier, m'a parlé nous de ça. Et puis, nous avons assassinat fait, complot fait, un groupe étranger rentré en dedans pays. Même laissé en bas fil, yo te passé. Même laissé en bas lampe, mais yo te passé. Nous supposons qu'on ensemble d'éléments de formation. Nous parlons en rien comme information. Et pas que ça me dit, nous, Jovenel mouri, même l'amour, par contre, l'amour Jovenel là. Parce que l'amour ça, son l'amour cri, j'en ai dit, on dit, on l'amour cri lié. On l'amour cri, ça veut dire, Jovenel pas de bon monde qui était à côté, le monde qui était zami, le monde qui était proche, qui t'a dit, président. J'ai appris qu'il y a des Colombiens sur le sol haïtien. J'ai appris qu'il y a des mercenaires colombiens sur le sol haïtien. Soyez vigilants. Car les gens, pas bon monde, pas bon monde. Ça veut dire que Jovenel n'est pas serviable, Jovenel n'est pas bon monde. En tout cas, monsieur, l'homme monde préparé pour le tout, ou l'homme complot fait pour l'assassinat, j'ai l'impression qu'il te met avec l'argent diable. Nèg yo ap chèche kote gen l'argent ki disponible pour acheter moun, acheter moun, acheter moun, acheter moun. Et c'est ça que fait toujours dit, chaque moun gon prix. Même l'autre de chaque moun gen conscience, chaque moun gen conviction, mais chaque moun gon prix. Gon façon nèg la prive sou ou, li te met se attaquer fan moun, li te met se attaquer environnement, menace ou, gon façon nèg la fò soumèt. Jounen jodi an la question. N'a posé qui ça qui bail tout nèg ça toute facilité ça qui ça qui rive convaincre tout policier ça tout nèg ça qui était proche Jovenel Moïse qui était entouré Jovenel Moïse qui t'a bail sécurité à un certain moment qui ça permet de livrer le comme ça qui ça permet parrain livrer fiel comme ça en dedans la république ou en Haïti prochain président qui vient dans tête pays ça sérieusement moun n'a cherché mettre dans sécurité nous moun n'a cherché mettre dans entourage nous moun n'a fait confiance n'a dormi pour veiller la cour nous la caille nous pas n'importe qui est li pas droit n'importe qui est parce que on garder des séries de moun Jovenel président te fait confiance à un certain moment de la durée c'est tout le monde ça qui participer dans complot pour douyel c'est tout le monde ça qui prend l'argent. Non, mais John Joel Joseph, qui prend l'argent, non, mais Badjo, qui prend l'argent, non, mais tout le monde qui implique dans tout le Jovenel Moïse, journée aujourd'hui, là, qui met le pays en plus de stabilité. Parce que 7 février 2022, c'est sûr que Jovenel Moïse, il t'a bralé. Il va t'a bralé. Il t'a bralé. Le Jovenel Moïse t'a finalé. Qui ça t'a gagné? Yo te ka toujours monter transition yo. Yo te ka toujours décider yo pral gamoter l'argent pays à travers en transition, mais Jovenel li pa kite vivant. Jovenel jounen jodi an tap existé.
pour raison ou pour l'autre, même nèg sa yo qui te besoin prend pouvoir mais qui pas capable 7 février 2022 arrivé, c'est même non ça yo attendre qui te participé dans complot, qui te participé dans réunion, gen yo pas dans complot mais yo te dans réunion. Réunion pour faire qui ça? Réunion pour dire qui ça, pour parler qui ça. On est tant que pasteur Emmanuel Sano qui relo en tant que politicien, homme politique, leader politique ou non tête parti et puis nous comme ça, il vient en Haïti là, c'est lui-même qui prend le prochain président pays. Ou parler en tête la presse comme si ou juste considérer ça comme une blague de mauvais goût, comme tout le monde qui folie président dans pays, comme tout le monde qui goût blanc par derrière, ou pas mander le pas qui moyen. Qui côté la sorti pour tomber dans le palais national, nous pas poser question sur rien. Et puis nous ta vle pour population haïtienne n'a pas gagné fixé sur nous. Ou ta nous ta vle journée aujourd'hui là pour yon rayer nous dans liste, pour yon retirer nous dans liste comme monde qui participe dans complot. Il pas qu'à faire comme ça. Il pas qu'à faire comme ça. Et à un certain moment de la durée, ouais même peuple haïtien ça journée aujourd'hui en cap demander justice pour Jovenel Moïse, yo pral wè nécessité au bon matin on va pour tout monde lever depuis ces monde journée aujourd'hui là qui conscient que assassiner un président, c'est mettre un pays à genoux. On peut pas dire à finir avec question justice ça Ivan Jean Sobral fait. Le ça qui est cap kakembe yo? Qui est cap kakembe yo? Qui l'est cap kakembe yo? Qui a cap contenir vague ça? Hein? Tôt ou tôt, c'est ça qui a passé dans le pays. C'est ça qui vient pour passer parce que nous pas respecter principe yo. Nous pas voulez respecter la justice en dedans pays. N'a fait zak malhonnête, n'a touye moun, n'a fait complot pour touye moun et en toute impunité, nous cacher les relations nous gagne avec international là qui pour protéger nous. Journée aujourd'hui en l'homme dit nous face avec on l'état, nous face avec une situation difficile et avec on l'état irresponsable, c'est un fait. Nous face avec une communauté internationale qui complaisant, qui complice de ça dans vivant dedans pays hein? Parce que moun sa yo y a supporté la gouvernement réel là y a supporté en dedans la république, son gouvernement qui corrompu lié. Son gouvernement qui décrié lié et même réel Henri ça pas oublier mes amis, pas oublier. Nous gagnons rapport Digicel Bay relevé appel téléphonique côté que Ariel Henry ak Badjo c'est quoi contact Figaro tout temps yon ap dans téléphone y a sucré tout temps y a tété langue dans téléphone pour qui ça Ariel pa vle pour une instruction relèl dans dossier Jovenel là. Et c'est pas seulement dossier Jovenel Moïse ouais dossier assassinat président li vin montrer nous que Haïti son pays impunité li vin montrer nous faiblesse institution yo. Mais si on cherche, si on remonte le temps, pour quantité de monde qui mourent en dedans pays ça, pour quantité autorité qui tombe, qui décide de monde capitule société, alors pour monde tant que M. Dorval, ou pour monde tant que bâtonnier Monsieur Dorval, l'on garde dossier assassinat, l'on garde différentes catégories monde non capitule dans dossier. Pour une raison ou pour l'autre, on j'ai une instruction pas qu'attendre yo. Pour une raison ou pour l'autre, la justice pas qu'attendre yo. Alors que travail en juge d'instruction, c'est enquêter. Travail en commissaire du gouvernement, c'est poursuivre criminels, délinquants, corrompus dans la République. Mais quand il s'agit de faire lumière, quand il s'agit de faire justice sous des dossiers qui sont extrêmement importants, ou ouais, bon parti, bon catégorie, moun qui prend la justice, le mette dans la poche. Yo prend la justice, yo mette dans la poche parce que yo gen intérêt. Yo gen intérêt pour lumière pas jamais fait sous des dossiers d'assassinat dans le pays. Yo gen intérêt pour lumière pas jamais fait sous des dossiers de corruption dans le pays. Parce que yo implique jouk nan zo. C'est une des raisons. Pas espérer pendant Ariel sous pouvoir pour jamais donné Ariel li par devant juge d'instruction. Pour ta jambe d'ande DCPJ, suivant même commission, regarde, même délégation de pouvoir que j'ai instruction à faire là, pour t'attendre, bon descente de lieu qui t'a fait la carrière Henri, bon perquisition qui t'a fait la carrière Henri, qui l'est, qui joue, qui date, qui Ariel. Parce que nèg ça, c'est yok l'État, c'est yok justice, c'est yok qui a fait la loi en dedans pays. Mais tôt ou tard, soit la nature, je cherche justice pour Jovenel dans sa qui vient pour avec Ariel Henry. Ou bien pour mater population, par contre, si c'est Jovenel, si c'est les amis de Jojo, qui pral chercher eux-mêmes pour faire justice, pour qui pral chercher faire vengeance dans le dossier assassinat Jovenel Moïse. Mais faut bon exemple qui tracé. Trop moun mourir, trop sang couler en dedans pays. Trop sang couler en dedans pays. Trop petit pays mourir n'importe qui gens. Trois petites terres mourir n'importe qui genre jodi an la nous voulons stabilité retourner en dedans pays an. Et comment stabilité pral retourner avec même criminel même corrompu ça yo, comment stabilité pral retourner
pendant que États-Unis et Canada fonctionnent des séries de monde qui lient directement à pouvoir Ariel Henry, qui lient dans la question politique en Haïti, qui a financé gang, qui a financé bandits en dedans la République. Et pourtant, c'est même États-Unis et Canada, ça. C'est même yon même qui a supporté pouvoir délinquant, qui a supporté pouvoir gang. Gon contraste. Gon contraste, gon côté nous flou, gon côté nous perdu. Gon côté, gon bagay qui échappe l'esprit nous. Nous voulons Haïti stable, nous voulons Haïti qui stabilité, qui sécurité qui retourne. Mais imaginons, chef de file, major, jean gouvernement, qui gagne non impliqué dans l'assassinat président, pas jamais capable devant juge. Qui implique dans des scandales de corruption, institutions financières en dehors de la République, pas enquêté sous lui, qui paye une affaire. Mais là, aux États-Unis, il y a toute manœuvre, toute dilatoire, toute stratégie qui a fait là, dans le dossier Trump. Là. C'est, non, oui, c'est même qui se passe là, mais apprendre que, il y a un député qui a déposé une loi pour empêcher Trump. Pour empêcher Trump de retourner dans la question président. Pour empêcher Trump à le poser candidature, etc. Parce que Trump, il viole un paquet de règles présidentielles. Ils font paquet de dérives en deux dans le système américain. Bagay qui pas de fait. Mais, qui soit, où est la justice pour suivre lui? Où est mon procureur qui a pas enquêté, etc. En Haïti, depuis Neglan, t'es président, pas enquêté sous lui. Depuis Neglan, il était chef en deux dans le pays, il était premier ministre, il ministre, pas enquêté sous lui. Avant enquêté sous un nègre dans la République, il dou, c'est détruable, détruire caractère. C'est vlo par vle wel, ou c'est ennemi, ou travail pour un camp, ou fait ceci, ou fait cela. Mais nous avons un pays pour nous sauver, nous avons un pays pour nous construire, nous avons une société pour nous construire. Qui ça nous remarque? Nous remarque, année 2022, c'est une année qui est plus difficile. C'est une année qui est plus difficile, nous ne pouvons jamais connaître. 2021, nous te disons une année qui est plus difficile. Chaque année, ça veut dire nous pas jamais faire. Nous pas jamais améliorer. Situation, nous pas jamais améliorer. C'est empirer, l'empirer. Chaque année, c'est une année qui est plus difficile. Non? Année ça, des fuites de cerveau, des fuites de capitaux, tout le monde qui a possibilité pour quitter pays, ils ont fui Haïti, ils ont allé. Ils ont couru quitter pays, ils ont allé. Et je ne veux dire, comment on peut le convaincre un jeune? Comment on peut le convaincre un jeune qui a dou Haïti Cocobel? Comment on peut le convaincre un monde qui nous paye en Cocobel? Tout ça, il a gagné, il a vendu pour le payer kidnapper. Tout ça a gagné, li vend ni pour payer l'argent rançon. Yo kidnappé maman, yo kidnappé frère, yo kidnappé cousin, yo kidnappé cousine, c'est li. Li vend kay, li vend machine, li vend business li, li prêté. Li doit depuis ces moun sou quartier la voisinage zami. Comment pral di le pays ça pour rester là dans toujours. Fuite de cerveau, fuite de capitaux. Tout le monde se prend paquet yo, allez. Pendant n'a couru quitter pays aller. On nous regarde avec comment garde côte américaine, comment rapatrier un paquet haïtien compatriotes frères nous là, li voyer au tourner dans pays. C'est ouais pour nous ouais bagay ça. Bon partager vidéo avec nous pour nous ouais, n'a gagner plus idée parce que peut-être nous pas prendre ça qu'a fait au sérieux, mais bagay au sérieux. Son vérité absolue, li, on nous regarde ensemble. Mais qui ça qui pousse nous, notamment, et quitter le pays? Bon, vraiment, ça pousse nous quitter le pays, parce que manquer de travail pour les jeunes. Parce que nous, plus les jeunes, après la banane, on n'a pas qu'un jeune, mais pas de travail. Et quand nous sortions, les bandits, après, on a un problème. Quand nous sortions? Je dis Jacques Mel. Qui t'a fait nous quitter le pays? Bon, quitter le pays, c'est un mardi qui était 13. Okay. Mm-hmm. Et comment yes. traitement? Comment traiter nous? Bon, mon cher, pas de manger. Si vous voulez manger avec 6 heures, vous l'avez pour 6 heures.
D'accord. Ce bar on a 6 heures du matin ou là pour 6 heures du après-midi le matin et 6 heures du matin encore. Surtout les étonnés, pas bateau, on prend ça. Mon cher, je ne dis pas prendre ça parce que dans la condition de vivre, on a toujours tenté toujours parce que il n'y a pas beaucoup de noix ici. Qui met ça à l'autorité concernée? Bon, parce que bon paquet d'autorité qui attendent nous là parce que c'est ça qui me balaye. Je pense que c'est au prendre ça en charge pour nous, créer du travail pour les jeunes qui sont venus. Soit dans ça. Merci. On va dans ce constat ça. Quel âge vous? Depuis 33 ans. Merci. Merci. 338 compatriotes. Nous recevons 110. Parmi 110, il y a 80 grands garçons et 22 filles avec 6 mineurs. En battement, ça a été fait pour deux paires, nous avons les maillés qui étaient mercredi 14 décembre. Yo kembe de Mounio, jeudi 15, ils étaient presque arrivés à Inagua. Et c'est dans la condition ça, garde que l'Américain mène là. 28 Mounio, yo kembe pour plus enquête approfondie, dans la semaine, ils vont venir. Qui cause, qui raison pour quitter le pays? Parce que nous devons rabattre les fonds de campé. Rabattre les fonds de campé, il n'y a pas de grand nombre comme ça. Mais tout le monde rabattre toujours dit que c'est raison économique et sécurité. Qui a fait le monde? Nous avons un viatique pour retourner la caillou, nous avons un plat chaud, nous avons pour la santé publique là, IBES là. Et puis c'est ça. Yo moun kap kite peyi a nan mouman sa la, c'est pour qui ça? Ou pensez que tout moun toujours dit yo kite peyi a pour raison économie, yo pa ka travail, insécurité. Et nous ka constaté ak de grenje nou comme journaliste, c'est pas moun kap apprendre ça. Mais konnen sou gen yon message pa pouye bay moun ki anvi kite peyi a, ki sa la pe? Message la m toujours dit souvent, c'est kampe pou goumen la kayo pou fè l'état nan peyi ou respecte ou bon, respecte droit. Bon doit travail. C'est pas lever quitter pays à un autre pays. C'est qu'on paye goumen la caillou pour faire l'état pays ou respecter droit. Droit moun c'est pour travail pour ka manger. Quel est le fonds de soi combien il était avec nous? Fonds de soi, fonds de soi ba ou. 5500 gourdes. Bon, là, nous sommes gardés avec moi. Situation compatriote, nous sommes frères, nous sommes gardés Timoun et Timoun, parents obligés à fuir Haïti avec eux. Et quoi ça grave là? Get Timoun qui fait là? Qui pourquoi je m'en vais à Haïti stable, non? N'a pas l'état de Timoun qui fait. Bon, Timoun 2000, bon, même Timoun 2000, yo, yo pourquoi je m'en vais à Haïti qui stable, non? 2000, 2004. C'est rat pa kaka, gen nan bouda, manifestation, ou comprenne, pey tête chargé, vin pren Aristide à la avec lui, ou pren blanc, etc. etc. Mais pourquoi j'en m'en pays qui stable là? Mais pourquoi j'en m'en pays côté que c'est stabilité politique, quand on président fait mandat fait, élection fait, président allé, on président élu allé, on président élu rentré? Non, pourquoi j'en m'en bagay comme ça qui fait en dedans la République? Et ça qui est plus grave? C'est espoir que haïtien perdu en dedans pays. Si on moue moun yo te gen espoir que pays a te ka bon, autorité yo te ka assumer responsabilité yo, tôt ou tard, sécurité, la paix, tranquillité ta rétabli dans la cité. On moue moun yo te ka bataille priorité. Même bataille en journée jodi haïtien pas prêt pour le faire en dedans pays. C'est vendre tout ça yo te gagné, allez. Haïti invivable, Haïti c'est pas un côté moun ka rete, etc. Tout le monde a essayé de quitter le pays. Aller. Vous avez plus que 300 personnes. Plus que 300 personnes. Et ça vaut quoi? Ça vaut quoi? Pour que tu te dises chaque jour qu'on prend un bateau, vous avez regardé des séries de petits canotes. Des séries de petits canotes, au moins, tu as 5 personnes. Vous avez fait le prendre 20-30 personnes. Petit monde de bas âge, petit bébé blanche, parents, vous prenez la veille. Les bateaux, ça a coulé. Les canotes, ça a coulé. C'est des centaines de compatriotes qui ont perdu la vie. Et pourtant, je ne dis pas, là, on a regardé la réalité. 86, c'est même Haïti qui a fait 86.
C'est même haïtien en Haïti qui te fait 86. Yo te soif liberté yo, yo te vle finir avec cause dictateur ça, yo te vle finir avec cause tyran ça, cause ou pa gen liberté pour parler, ou pa gen liberté pour parler pour manifester, bagay ça, yo te vle finir avec lui. Yo prend courage à deux bras, yo dit fuck yo chavire régime du Valier ça. Yo prend courage à deux mains, yo dit comme ça, fuck bon référendum qui fait, fuck bon nouvelle constitution qui adopté, fuck des changements qui fait dans le pays. C'est haïtien, c'est pas blanc qui vient faire non. C'est pas blanc qui vient faire, c'est pas communauté internationale qui vient dire haïtien en 86 nécessité qui gagne pour yo charrier régime du Valérisan, système du Valérisan, peser sous séan. Non, c'est nous à un certain moment de la durée qui te dit non. Génération qui vient là, faut nous mettons pays stable pour yo, faut nous mettons pays côté que liberté la parole là y a kagayel pour exprimer bonne volonté yo pour yo exprimer mécontentement yo vis-à-vis de mauvaise gestion qu'a fait dans le pays. Journée aujourd'hui là nous gè démocratie mais son démocratie malachoum, on démocratie côté que ou mande autorité en compte de gestion li paré pour l'assassiner ou li paré pour le bail des séries de machin micro l'argent pour comme si pour décrire pour décaler pour dos pour chercher dossier mettre sous dos parce que en Haïti démocratie en journée aujourd'hui là son démocratie maquillée son démocratie déguisée sous plein pouvoir que un petit groupe nèg gagne dans l'état un petit groupe nèg gagne en dedans pays et c'est ça qui fait moi-même moi remet Étienne de la Boétie qui dit que comment fait possible. Comment le fait possible pour toute une population, toute une société, quitter un petit groupe moun dans l'état tyrannisé, un petit groupe moun qui constitue l'autorité suprême de l'état tyrannisé, à mettre pied sous couyo. Nous, toute une population comme ça, et puis je ne dis, nous accepter un petit, comment, un petit gouvernement, un petit CSPN. Même si CSPN qui programme pour mettre sécurité en dedans pays, c'est eux-mêmes qui a bay bandi information pour tous les policiers. Un gouvernement qui a une responsabilité pour changer condition la vie moun, c'est eux-mêmes encore qui a lié à gang à déstabiliser un pays. Un secteur privé qui là qui a une limite, c'est lui-même qui a foué bouche tout le monde dans cause politique pour créer stabilité en dedans pays. Non. L'illégalité pour nous caler nous pour nous suspendre. Pour nous suspendre, qui ton petit groupe, nèg mette pied sous kounou. Pour nous suspendre avec idée comme quoi, nous non servitude, nous accepter servitude là de manière consciente. Nous accepter servir intérêt nèg sa yo mette pied sous kounou, nèg sa yo terroriser nous, nèg sa yo marginaliser nous, nèg sa yo pas créer condition pour nous joindre éducation de qualité, nèg sa yo pas créer condition pour nous joindre bon soin santé, nèg sa yo pas créer condition pour nous joindre loisir et puis n'a fait ça qui relé. N'a fait soufflant chou pour yo, n'a fait sousou pour yo, nous c'est militants. Oh, frapper l'estomac ou matin, nous disons, c'est militant politique. M'a défendu, bon, papa, oh, papa tourné, oh. Ça, tu m'as acheté un rigoise. Bah, sérieux. Pour commencer à mettre un rigoise sous militant politique, ça yo. M'a tant nous, m'a m'a pour moi, nous m'a tant nous, mon cher. M'a tant nous, m'a dit, m'a kembe nous. Parce que je dis, il faut que nous pensions que nèg ça vous fait payer trop mal. Suspendre battre l'estomac pour défendre nèg, défendre pays, défendre avenue dans pays. Nèg ça yo va défendre, nèg ça yo parler pour touyer moun pour battre moun pour yo. Yo même yo manger à l'aise la caille, yo là yo fin manger, yo boit belle verjou, yo boit de l'eau comme ça yo fait yo lever depuis yo mettez sous tête canapé à télévision flat screen yo devant yo. Y a regardé actualité pays, y a regardé, y a planifié comment demain yo pral mettre plus moun dans la rue pour yo faire plus l'argent mettre dans poche. Même l'on fin fait toute journée on pote ti mallette nèg la, ti valise nèg la ou pote serviette pour zye figi. L'on rentre la caillou, ou konn so pral joine, ou pral joine un spaghetti. Ba ou ta supposé manger le matin 7h 8h du soir rentré, ou pral manger un spaghetti. Ou bien toi prend blender. Plein gaz de matin le relo n'a fait la rue m'a voyer pour ou pas ka aller ou gen jare li même li fait toute journée l'a bien manger le rentre la caille li souper ou même le rentre la caille c'est petit déjeuner à le prendre. Faut nous commencer gen conscience moun nan faut nous commencer gen valeur moun suspendre bataille pour moun défendre intérêt pays ou le pays a bon pour nous toutes mais avec modèle nèg ça au pays pas ka bon
avec modèle nèg sa yo ki la n'a prend des générations avant Haïti bon qui sont vle ou vle Haïti bon dans 10 ans vle ou bien vle Haïti bon dans 50 ans qui sont vle ou vle pour moun sa yo journée jodi an la qui gen gunzan no ka ofev comme moun ka financer gang comme président sénat qui impliqué dans assassinat comme ancien président commission justice qui impliqué dans trafic drogue qui sont vle ou vle retourner dans figou ou bien vle prendre distance avec yo ancien président chambre député ancien sénateur etc. qui ça nous voulait hein moi même moi ça me voulait nous voulons pays stable nous voulons Haïti prospère nous voulons Haïti qui gagne stabilité économique là-dedans bon bon qui là avec Edgar Emile économiste qui lui-même il pral ba nous plus d'état mais bien avant li extrêmement important parce que m'balan pile non on connaît des amis qui dit ça mais faut me parler pour me dégager ça me gagne comme frustration par rapport vis-à-vis de malandrin politique ça qui a craser pays journée aujourd'hui si n'était un pays qui stable moun sa yo qui handicapé moun sa yo qui dans nécessité ou comme ça t'a bien pour yo t'a gagné des séries de foyers d'accueil côté yo te calde en place chaque jour t'a gagné des séries de foyers d'accueil qui t'a cabaye un matelas pour dormir Mouna li handicapé bekil krasé li oblige chèche un bout d'éponge pour le marer dans bekian pour le mettre en babral fait fait du chal en babral décalé chez ou l'autre yo pas bon on paquet problème mais si m'ta prend problème de série de moun de série de compatriotes gagné k'ap mette devant chaque jour mon cher arithmétique pas suffit non pour mettre problème ça yo en tout cas et projet a même qui voulait supporter qui voulait aider qui voulait bailler un coup de main la dol pour nous permettre avec un groupe monde pour boire soupe 1er janvier en soupe de fin d'année en soupe traditionnelle là relève écrit dans numéro émission 38 96 38 19 c'est un véritable plaisir pour me compter parmi monde qui supporter projet parmi monde qui supporter initiative là en nous tendez dire Emile dans le dossier économie pays qui a ba nous plus de détails sur le bilan économique pour Ania. Bonjour Pierre Runel, bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Lydia Alexandre et bonjour à tous auditeurs et auditrices Radio Caraïbe, Captain en Haïti comme à l'étranger. C'est un plaisir que je suis avec nous et matin là dans Grand Boulevard. Moi m'attendais avec un pile attention et ma Gerson que je toujours prends plaisir d'entendre et que je salue toute qualité et dossier que toujours fait yo mais avec un pile peine pourtant dire j'ai la décrit situation misère jeune garçon jeune femme grand monde dans pays a petit monde qui pas qu'à manger qui pas qu'à fêter Noël moi pensais que ça c'est quand même une façon très claire pour montrer que nous en face de un échec économique qui clair qui cuisant et qui voulait dire pas de travail, qui voulait dire business fermé, qui voulait dire misère augmentée, la richesse augmentée. Mais Jean Tabdil là tout à l'heure a guerrier Jean Johnny Tabdil tout. C'est pas 11 éclairs sur le ciel là et puis le fait que Haïti pas marcher. C'est pas 11 éclairs sur le ciel là qui fait que Haïti gagne pauvreté là-dedans. Donc ça veut dire que ni lié en pile avec qualité monde qui a dirigé, qualité décision que mon y a besoin et qui comportement que on gagne. Donc, je pense que à chaque fois qu'on a parlé de misère dans le pays, il faut que nous songions que il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui ont une responsabilité pour empêcher que ça arrive là et qui pas fait ça, supposé fait. Donc, il faut que nous toujours mettons en tête nous que la qualité de la vie que nous gagnons est liée en pile avec la qualité des gens qui ont dirigé et décision que après chaque jour. Et n'a pas parlé j'en déprévois là sur bilan année 2022 à sur ce plan économique bon gros mot ou du moins comment capable qualifier globalement année 2022 à sur plan économique Edgar Emile très bien c'est dommage en tant qu'économiste on est obligé à chaque fois d'utiliser des mots si négatifs pour dire que bon année catastrophique et pour dire que bon année côté misère est augmenté côté chômage qui a augmenté, côté j'aime d'abord tout à l'heure, il y a plus d'activité business que mon affaire qui ferme, l'argent pas circulé, la vie chère peut plafond. Et aussi, nous enregistrer pour la quatrième année consécutive de yon croissance négative. Et le mal sous chiffre dans BRH, moi pas ouais, sous site là, BRH, moi pas ouais qui le, dans le pays, a que nous avons gagné 4 ans consécutifs. Que pas gagner richesse qui a créé dans le pays,
qui veut dire que nous ne pouvons pas respirer de 2019 à nos jours dans une situation qui est aussi difficile. Et chaque jour passé, nous avons une difficile. Et là, regardez l'inflation, ça veut dire la vie chez Jodia qui est dans la rue. Et ça fait mal que vous regardez les gens qui ont dirigé, ça pas dérangé. Ils ont dit que l'inflation 47%, mais pas de monde qui parlait de ça. Même pas de monde qui a dirigé, pas de conférence de presse sur ça. Et BRH, ministère finance, primature, personne ne parle bien. C'est comme si son fait qui normal. Alors que dans tout pays sérieux, des points d'inflation dépassent 4%, c'est déjà inquiétude, c'est déjà panique au niveau de l'État. Mettant pas nous arriver 47% que nous pas jamais depuis en bas à gauche dans les années 90. Donc c'est pour montrer que à quel point que mon misère grave dans le pays a et qui mène à prostitution, qui mène à fuite tout, migration, en pile mon a quitté le pays à Genouel là. Donc pour moi-même, je pense que 2022, c'est peut-être la pire année économique que nous vivons dans le pays a depuis presque 30 ans pour me passer du période en bas à gauche aujourd'hui. Et qui ça, selon vous, Jérémy, qui expliquait, on dit, aggravation, situation économique, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, il y a plusieurs éléments pour garder, pour comprendre, pour qui ça, 2022, est aussi difficile. D'abord, c'est que nous vivons une période de grande violence, insécurité, gang qui prend contrôle tout territoire, plus que jamais. Nous avons fait un petit en 2004, côté de grand pile gang dans le pays. Les Nations Unies disent qu'il y a 34 gangs en 2004. Donc aujourd'hui, il y a presque 200. Donc ça veut dire que nous avons phase côté que tellement gagné des groupes armés qui ont pris le contrôle de l'espace là, nous n'avons pas fonctionné, nous n'avons pas viré quoi. Et Jean-John, il a dit encore une fois, ce n'est pas comme ça que nous avons évolué. C'est là où il y a un ministre qui est dans le gouvernement, qui est dans le CSPN, qui fait partie de gang. Et nous répétons ça plusieurs fois. Et nous obligeons de prendre le Canada pour dire nous ça. Comment comprendre un pays où l'économie a fonctionné là-dedans, les nègres qui mènent la justice, qui mènent l'intérieur, c'est lui-même qui est chef gang. C'est lui qui a fait le kidnapping, c'est lui qui a touché balle qui a vendu, c'est lui-même qui a fait le trafic d'armes, il a drogue, il a tout un ensemble de bagailles. Donc, qui vient faire que l'économie vient prendre un otage en 2022? Avec niveau insécurité, niveau contrôle gang sur route, qui fait que marchandises pas qu'à transporter, business pas qu'à ouvrir, activité de nuit pas qu'à fonctionner, touristes pas qu'à venir dans le pays, avec kidnapping. Donc, insécurité, c'est la première cause qui fait que l'année 2022 a été aussi difficile. Deuxième élément, c'est gaz. En 2022, c'est une année qui a gagné plus de problèmes gaz depuis que nous avons fait analyse sur la question économique. Donc, qui ça s'appelle bail? Qui ont qu'à faire une économie marché, qui ont qu'à faire business marché, les que gaz pas capable disponible. Et les bourgeois ni obligés de payer le marché informel deux fois, trois fois, quatre fois prix. Donc ça, c'est le deuxième élément. Maintenant, troisième élément que nous sommes capables d'évoquer, c'est un gouvernement fantôme qui était là, qui seulement a compté un jour pour le café plus de temps et qui ne prend aucun, m'a pris pour encore, qui ne prend aucune initiative qui a un rapport avec l'investissement public dans le pays. Parce que pour une économie qui a marché, il faut que l'autorité fasse des investissements publics dans le niveau infrastructure, dans le niveau agriculture, dans le niveau ou ensemble de domaines. Et qui ça a constaté en 2022, le gouvernement Ariel Henry a fait zéro investissement public dans le pays qui était capable de créer des conditions pour que la richesse produise. Donc, c'est pour vous dire que ça, son troisième élément. Et quatrième élément que m'a dit, c'est au niveau de la crise politique. Et Jérémy, on tient le quatrième élément pour l'un fin de montée de la poids, puisqu'il a déjà fait 8 heures. On a rappelé, moi, on a pris une question qui ça qui expliquait l'aggravation de la situation économique pour l'année 2022 à là, par rapport à l'ensemble qualificatif au saut de bail là et réalité en tout. Mais qu'un quatrième élément pour le nouveau tourner après, nous fin de montée de la poids. Il fait 8 heures. Caraïbe FM, nous sommes montés drapeau, n'a pas retourné avec invité nous, économiste Edzer Emile, qui lui-même t'a pensé expliquer nous là, qui ça qui fait situation économique pays à arriver dans un niveau ça, et il était à essayer élaborer à travers plusieurs éléments pour nous, Edzer Emile. Très bien, moi là, oui.
Mais comme d'hab dit, à l'heure qu'il parlait de insécurité, moi dit gaz, moi dit problème d'investissement public que l'État a pas fait, parce que d'aimer que nous comprenons, et nous faisons tout sur ça en mars, d'aimer que nous comprenons que le régime Ariel là, il a un seul objectif. C'est que c'est pour le carré qui est sous pouvoir plus longtemps. Pas gain aucune initiative qui prend qui a un rapport avec la condition de la vie du monde dans le pays. Donc, et c'est pour ça que nous disons déjà, plus gain sécurité, c'est plus pouvoir ça qu'a fait plus temps. Parce que si le problème de sécurité à résoudre là, tout le monde va avoir nécessité pour l'élection faite. Si l'élection faite, il n'y a pas de là encore. Donc, c'est très important pour comprendre le lien entre insécurité, rester sous pouvoir depuis longtemps et pas gagner l'élection, dans quel sens que ça capable d'un projet politique et pas gagner rien à ouais avec condition population. Donc, ça n'a pas vu à là, il lié en pile avec ça. Et quatrième élément, c'est l'organisation d'une équipe de monde dans le secteur privé qui continue à dire, renforcer ça n'est pas bien, l'État en économie concentrée. Ça veut dire qu'il y a avec des pratiques à la fois criminelles en pile là-dedans et qui gagne pas jamais voulu accepter faire compétition. Ça aussi des pratiques qui empêchent un pays marcher. Et nous voyons que gagne des monde là-dedans qui sanctionnent et ils font l'être publiquement qui niveau de implication que vous avez dans craser pays pendant l'année qui s'est passée. Donc, lorsque on l'État m'en fout bien, on équipe de monde dans le secteur privé qui parle de compétition, qui parle que les gens qui rentrent dans le business, qui parle de tout, et qui n'a pas fait compétition avec l'autre, avec ZAM, avec Bandi. Donc, nous avons un cocktail que nous avons aujourd'hui. Ça ne pas oublier aussi sur le plan international comme cinquième élément. Il y a une inflation internationale à l'étranger qui fait que pour Dieu, il y a une pichet. Ça cap sorti États-Unis, ça cap sorti Saint-Domingue, ça cap sorti en Chine tout. On va trois exemples pays ça, qui c'est trois pays qui a été acheté dans mais au plus souvent. Pardon, parler de l'inflation, tout à l'heure, on a venu avec question qui est pour avec ça, puisque l'inflation, pas nous, arrivé jusqu'à 47% selon IHSI, même développement d'eau bien avant. Est-ce que gagnait de secteurs dans l'économie qui t'épargnait ou bien c'est tout secteur qui t'a mal marché pendant l'année 2022? Très bien, Guerrier. On prend rapidement, le secteur agricole, il fait une croissance négative, nous va saisir, moins 5,6%. Ça veut dire que pas grand été fait dans la question agriculture banane du tout, pour aider les paysans, dans la question crédit, dans la question de l'eau. En même temps, tout route qui est bloqué, qui fait que le transport pas capable de faire, j'en suppose, fait. Donc, paysans perdu agria, pas gagné vraiment richesse qui crée dans le secteur ça, et tout ça, il y a accéléré misère, notamment dans la zone rurale. Deuxième secteur, ce secteur d'Adi et tertiaire, lui-même là dans le commerce, qui lui-même vient en croissance négative tout, restaurant, hôtel, moins 3,4%, et c'est seulement banque, mon Dieu, qui vient en croissance positive, 5,1%, nous devons attirer attention nous sur ça, et chaque année, banque toujours vient en croissance positive pendant que l'économie vient en croissance négative. Mais qui ça gagne qui ça? Pour grave marché, nos économies qui peuvent marcher. Non, réponse est très simple. Ça veut dire que l'activité bancaire n'a aucun rapport avec l'économie. En d'autres termes, bancaire au service de tête, mais pas au service de l'économie. Ou encore, au cas de l'autre gens, ou cas de que le revenu bancaire n'a pas dépend de crédit vraiment. Chiffre prouvé ça. Il dépend de vendre dollars, acheter bon BLH. Donc, ça veut dire que mission fondamentale banque qui veut dire bail crédit dans l'économie, c'est pas lui-même qui vraiment priorité et activité principale banque en Haïti. Et c'est pour ça qu'on a tout paradoxe hein, entre banque qui a bien marché et m'a venu avec chiffre pour m'en nous yo, chiffre que le secteur bancaire a gagné là-dedans. D'abord, les dépôts dans banque augmenté de 14% pendant 2022. Hein, et revenu bancaire, ça nous est le PNB, produit net bancaire, il a augmenté de 18% pendant l'année. Et bénéfice bancaire privé 7,6 milliards de gouttes pour 2022. Donc, bon ensemble de performances, justement, de secteur bancaire, pendant que l'économie n'a pas marché. Donc, ça prouve clairement, nous avons besoin d'experts pour nous comprendre que bancaire en bas, il y a plus de l'affaire par eux, économie en l'autre bas, alors que par définition, banque, t'as supposé au service de l'économie. Passer sous secteur, sous notre secteur, au départ, le secteur agricole, secteur tertiaire, et de l'autre secteur encore? Il y a des secteurs secondaires, tout, qui sont dans la question manufacturier, parc industriel,
qui était une croissance relativement faible, 0,4%, qui passe si élevé que ça. Télécommunication, 2,4%. Et bon, il y a l'autre encore, je ne suis pas vraiment arrêté là-dedans. Construction, moins 7%. Donc, construction en baissé en pile en pile en pile. Construction, caille, bâtiment, infrastructure. Donc, en gros, nous pratiquement gagnons une croissance négative sur presque toute bagaille, à l'exception de télécommunication et aussi banquio qui eux-mêmes. Et continuer à performer de manière extraordinaire. Oui, il y a un chiffre inflation qui sort si, avant hier lundi, pour des IHSC parlait de 47%, c'est un record. Et qui ça qui t'a voulu, ça, ça voulait dire qui condition la vie monde en Haïti, en tout cas, et vinement gommé, situation pique compliquée. Et qui ont expliqué situation ça, ou inflation de 47%? Et pour moi, l'octobre, donc probablement nous pouvons comprendre novembre, décembre. Oui. Très bien. Et le chiffre a publié Guerrier et Johnny et Lydie également Pierre Runel. Moi, je fais un coup de pied sous série que BRH mettait sous ses prix qui commençait en 1991 à aujourd'hui. Et moi, ouais, seulement. Dernière fois qu'il y a eu une inflation qui est aussi haut, c'est en septembre 1994, en plein embargo. Embargo voulait dire qui ça? Haïti n'a pas acheté à l'étranger. Et c'est seul l'État qui était dans la limite 50% à peu près, 49-50%. Ça veut dire que pas gagné aucun lieu depuis 1993-94 que la richesse est aussi élevée dans le pays. Donc toute ça n'était ouais, qui était difficile, pays à pas de mots 2010, 2014, 2019, 2020, 2021. 2013-2003, il pas jamais aussi mal que ça n'a vécu aujourd'hui là. Mais comme on connaît que situation aujourd'hui, elle est très mal. Et ça qui fait le plus mal, encore une fois, c'est indifférence. On pas senti rien que le monde qui se pouvoir parler de ça. C'est comme ça, c'est normal. M'a regardé l'année passée, États-Unis qui ont inflation 9%, républicains ont presque rendu Biden la vie impossible chaque jour dans les médias. Et obligé gouvernement fait conférence, gouvernement fait état généraux, tête chaud, 9%. Donc, il y a 47%, tout le monde de Doméa a passé sirène, a bien mangé, a bien habillé, docteur, comme si, encore une fois, ça montrait qu'il y a un niveau d'insouciance que le monde a dirigé au gagné par rapport à citoyens qui n'ont pas acheté de mamie du riz, qui n'ont pas acheté de spaghetti, qui n'ont pas acheté de boîte lettres, qui n'ont pas acheté de sucre avec tout ensemble de l'autre. Dépenses qui gagnent dans l'économie, qui rapport à loyer ou transport ou encore habillement. Donc, en situation comme ça, qui ça le fait? Il accélère niveau misère, il fait que le monde n'a pas manger beaucoup plus. J'en ai un dans le pays là, et Italien a parlé de mendicité qui vient pour une dimension. C'est chaque jour mon abri l'eau. Des fois, on pas imaginer qu'abri l'eau pour mander 5000 gouttes, pour mander 1500 gouttes. Pour montrer dans quel point que le pays arrive dans un degré de misère excessif. Et quelque part, je pense que tout ça lié, encore une fois, avec qui qualité mon cap dirigé et qui qualité décision que prend, parce que ni inflation, ni pas de travail, ni de sécurité, ni touriste pas qu'à rentrer, ce n'est pas ni bon Dieu, ni le ciel, ni la terre qui fait yo. C'est pas on chante qui fait yo, mais c'est parce que justement ou bon équipe de monde qui occupe fonction qui a touché qui a voulu les machines mais qui pas aucune sensibilité par rapport au problème pays là. Konya là et qui sa prévision capable là pour novembre et décembre là parce que il y a monde qui parlait de une possibilité pour nous faire face à ça n'est capable de on hyperinflation. Donc qui dit hyperinflation pour les fêtes de fin d'année, donc nous avons une idée de comment on va démarrer 2023. Très bien. Ah, maintenant, Johnny, on n'est pas capable de trop prévoir que ce soit taux de change, que ce soit genre inflation bralier, et d'en donner que gagner bagaille qui est capable de faire pour qu'à faire couple ABC. Je dis à la, si que sécurité est capable d'établir dans le pays, 100%, moun ka circulé, moun ka fait business, moun grand dans ka pour manger, moun matisse ka passer. Automatiquement, il va permettre que nous ayons une meilleure disponibilité de produits agricoles dans le pays.
si que vous faites gaz disponible de manière régulière, pas aucun autre. Professeur Emile, excusez, mais pas oublier, nous étions pratiquement quelques jours, on a parlé de 2023 qui déjà frappé porte nous là. Donc, nous avons pratiquement toute année et même plus avant ça, pour avoir fait tout ça, ou te dire là. Donc, qui garantit une gain peut-être, même si c'est un mois ou bien deux mois, qui pourrait le tragique sur ça ou là. Non, je ne parler de 2023. Non, avec ça, pas parlé d'un taux d'inflation qui concernait mois octobre 2022. Donc, moi-même, je parlé pour fin année et capable de ben nous perspective et début année. Ah, ok, pour novembre avec décembre. Uh-huh. Oui, bon, encore une fois, il y a plus de chances pour être dans le même niveau. Mais pas oublier que l'air fait inflation, il y a calculé par rapport à même mois à dépasser. Donc, c'est octobre 2022 par rapport à octobre 2021. Et tu vois, c'est le même raisonnement tout pour novembre 2022 par rapport à novembre 2021. On garde qui vient que le monter. Donc, maintenant, et selon la situation, il est capable dans le même niveau, il est capable de pire tout, il est capable de baisser. Encore une fois, je ne suis pas en mesure pour me capable de faire une prévision de qui vient l'inflation capable pour deux mois qu'à venir. Et surtout que, on ne parle pas de paramètres maintenant, qui vient. Question, il y a bougé avec niveau donné au QIHS qui est dans même, que moi-même, je ne suis pas même là pour faire calcul. Dans quel sens vous pensez, et question raté gaz à répétition, question problème qui gagne en tant ensemble d'acteurs dans la chaîne pour question produits pétroliers, et bien, arriver à constituer un fardeau lourd pour l'économie. Écoute, et gaz, comme vous connaissez, Johnny, sont produits transversal. Pour utiliser pour faire transport, utiliser pour faire industrie, utiliser pour produire, utiliser dans tout niveau. Et quand on est là dans Radio Caraïbes, utiliser gaz, c'est pas gain gaz du tout, il va pas faire émission. Donc l'activité économique est totalement dépend de l'énergie. Donc là pour pas gagner gaz cap disponible pour que mon acheter facilement, il y a deux bagages qui passent. Un, il y a des monde qui ferme parce que pas gain gaz, il y a des monde qui ouvre parce que acheter un gaz trois fois plus cher. Donc dans les deux cas li pose un problème économique. Le moun nan fermé, ou pral gen rate nan production, parce que gen entreprise qui fermé, mais dans le moun nan acheter le piché, li pral vendre piché. Donc, c'est consommateur final là qui pral payer conséquence le fait que moun nan acheter gaz à piché. Et gaz représente des fois dépenses, presque 40% de dépenses en pile business qui a fonctionné dans le pays. Donc, il est extrêmement important pour nous comprendre que ou pas capable de faire une économie marché. Les que ces gangs a contrôlé, les que pas gain gaz, les qu'on gagne une bataille pour pouvoir capter gens y a là, et les qu'on une équipe de monde dans le secteur privé à tout qui a fait compétition criminelle, chaque nègre gon groupe gang selon tel qui port pour empêcher tel port marché, c'est qu'on s'allie malheureusement et tout ça a créé une économie de pauvreté avec misère que n'a vu je dis. Nous pratiquement dans la dernière ligne droite année 2022 à là, donc sinon il est environ une semaine, y a, une semaine et demie pour nous arriver 2023. Donc est-ce que vous pensez avec cette équipe au pouvoir, avec M. Saola dans la primature, avec le ministère qu'on est, il y a une possibilité pour nous empêcher et nous aller pifon toujours? Bien sûr, toujours il y a une possibilité pour aller pifon toujours. D'abord, faut qu'il y ait une volonté pour pas aller pifon. Et sous vraiment DPPM qui sa objectif li l'abdouli sous un mille, je suppose libéral dou que le ta aimé faire un an toujours. Donc je pense que c'est ça objectif là. Il a levé le matin, c'est de ça que vous parlez et avec conseiller Lio qui ça pour nous faire pour nous matérialiser force en présence, question Lambert, question et comment il y a Montana et toute peine. Donc qui ça pour nous faire pour neutraliser tout le monde qu'en face nous pour nous faire un an toujours, moi je pensais que c'est l'objectif là ça. Il me dit tout à l'heure, pour que ça fait, il faut gagner sécurité. Il faut nous comprendre, il faut nous calmer. Il faut gagner sécurité pour PM dans la carité pendant plus longtemps. Parce que si gagner sécurité, l'élection peut le faire vite. Il faut nous clair. Donc, pas aucun agenda qui gagne au niveau gouvernemental pour améliorer la situation. Ça va gagner des. Donc, si pas objectif là, moi même pas qu'à parler avant là pour me penser qu'il est capable de faire. Kagne amélioration. L'amélioration pas dans le programme Mounio. Programme Mounio, c'est l'été pour que fin année prochaine, pour PM nan toujours là. Fin 2025, pour toujours là. Probablement pour Maurice au pouvoir. Donc, par contre, qui ça a passé, qui a fait le sorti. Mais l'essentiel, si vous gardez bien comportement, son comportement de l'été sous pouvoir que lui. Donc, moi-même, je n'ai pas aucune attente du tout.
souvent des est-ce que me gagne attente pas gagne attente du tout de régime ça par rapport à problème pays a parce que c'est pas priorité au ça c'est d'ailleurs ouais comment on est comme ça capable nommer deux monde que tout pays a connaît qui n'en sac pas ça comme ministre très puissant à côté de la page avec chaque jour pour tenter Canada États-Unis pour faire démissionner ça prouve encore une fois que moun yo pas intéressé à résoudre problème yo ni sécurité ni question manger d'ailleurs comme on comprend aujourd'hui a dans phase que nous y là pas gagne aucune initiative qu'a prend pour question production agricole ou pas jamais aucun programme qui lancé pour faire crédit paysan pas aucun programme qui lancé pour rendre que route agricole capable accessible pas aucun rien qu'a fait dans question rendre que l'eau capable accessible pour monde qui a planté donc c'est de l'abandon total de pays à de citoyens ou par rapport à monde qui a dirigé et c'est pour ça moi-même pas pas vendre aucun monde aucun espoir c'est pas parce que pays a pas qu'à gérer mais monde qui là pas gagne objectif gérer pays a. Et ça il va arriver qu'on y a là dans qui ça doit faire même si c'est sans nèg ça yo ben c'est regarder qui sont gagne comme regard sous et dollars vet là qui pas disponible jusqu'à présent sur marché. C'était en spéculation que t'ai fait selon ça me connait ouais monde qui puis aviser expliquer côté conseil de groupe potentat dans question banque qui courir fait 20 sous dollars et puis il prend dollars il rend ni rave il ca vendre ni cher mais jodi a et les n'a attendre de l'autre économiste il t'a fait comprendre que les banques qui n'ont pas de dollars, c'est parce que n'ont pas de volonté, mais parce que tout simplement, pas de dollars qui sont disponibles dans le pays à un moment où on a parlé là. Ou bien tout, dollars viennent tellement rares, minimum qui est là, donc la prale, les gens, qui est capable de permettre dans le jour de venir là, 250 gouttes, 200 gouttes de dollars américains, c'est grâce. Qui regarde sur ça? Très bien. Je pense que tous les deux, non seulement pas de assez vrai, je suis d'accord sur ça, je ne dis pas de assez, pas de assez en cash. Et ça veut dire que sous besoin de payer au monde, ou font vivre en sous-compte. Pas un monde qui a pêché. Pas un monde qui a pas de dollars pour faire vivre en sous-compte. Sauf besoin de mon chèque, 500 dollars américains, m'a déposé sous-compte. Pas un monde qui a pas de dollars. Donc en fait, l'air du pas de dollars, c'est pas de dollars en cash. Pour les gens qui ont besoin de l'argent en réalité, particulièrement. Mais c'est un problème non posé. Je suis peut-être malade avec un peu d'attention lundi. Et il y a une raison que l'heure où fait transfert diaspora, il y a à peu près 10% de cobla qui rentrent dans la boîte carton en Haïti. Donc 90% par entrée. Donc c'est mon ici qui peut bailler l'argent dans sa que le gain lui-même. Mais qu'est-ce parle? Parce que et tout problème blanchiment l'argent qui a été répliqué pour ça fait que ni BRH, ni Banque Commerciale viennent pas capables d'importer gros boîtes l'argent pour trop corps encore, j'ai été comme fait l'avant. Donc ça, c'est un élément important pour nous comprendre. Maintenant, l'autre élément, et que en plus, on ne peut pas réaliser, qui est dans le dernier rapport BRH sorti en octobre là, transfert diaspora baissé en 2022. C'est important hein, pour nous comprendre. Transfert diaspora baissé en 2022. Et BRH dit que il y a deux raisons fait que le transfert diaspora baissé. D'abord, parce que en pile de monde qui ont reçu pas transfert à Saint-Domingue, il dit ça. Il dit en plus bénéficiaire traverse les frontières. Donc ça veut dire que les abois pour eux, ils avouent Port-au-Prince pour eux, Saint-Domingo. Ça fait un. Deuxièmement, il dit que l'inflation qui frappe les États-Unis pendant 2022, ya, fait que gagner un pile monde qui pas capable de voyer même quantité de bon voyer. Bon, encore une fois, on va répéter ça que BRH Bain rapport sorti sur le mois dernier. Maintenant, plus que ça, gagner un élément important, il faut que nous toujours lié avec dollar, c'est gaz. Et là, on a parlé de Johnny de Petro-Caribé. Petro-Caribé, ce n'est pas seulement corruption, on a volé comme BIA, fait viaduc, bagaille carrefour, on a volé comme détourné comme. Mais c'est aussi une occasion en or que nous ratons pour nous résoudre la question gaz avec dollars dans le pays. Parce que les Petro-Caribes ont existé, comme vous le savez, Haïti n'a pas d'obligation pour payer tout le gaz qu'elle a acheté. C'est un petit pourcentage comme là que nous avons payé. Ça veut dire que si nous achetons pour 100 dollars gaz dans le Venezuela, des fois nous avons payé 30 dollars. Et puis nous avons 70 dollars pour 25 ans de dette dans le pays après. Les Petro-Caribes finissent en 2018. Un pays à encore. Kounya, si l'État a besoin d'acheter gaz, si le secteur privé a besoin d'acheter gaz, il faut qu'on cache finalement un dollar pour payer compagnie, même jour. Donc ça veut dire que nous faisons 10 ans à faire des autres Petro-Caribé. Nous ne pouvons pas renforcer la capacité pour que nous, non seulement gagnions raffinerie gaz, pour nous résoudre le problème ça. Nous prenons un libre dès le libre a fini, je dis à nous sous dépôt pour nous, nous pas de capacité pour que nous assurions l'équilibre encore. Et dans le secteur privé, et dans l'État,
qui te confie un pile combien de mafia les gaz à te poupi yaye dans Petro-Caribé, je dis à qui le vont en responsabilité. Donc tout ça, il fait pression sur le dollar. Maintenant, moi, l'autre information, je vais vous donner, qui peut-être un peu mon baronné. Le par exemple, BRI dit que réserve l'IOB c'est très bas. Je dis à, on parle de 142 millions de dollars américains de réserve net. Et qui fait que l'IPA n'a ni bas les banques assez de dollars, ni bas importateurs de dollars qui ont besoin. Mais puis, mon a demandé, quoi de dollars diaspora a passé? Mais, il y a une grosse dépense que BRH fait dans le dollar dans le pays, il faut que tout le monde connaisse, c'est payer gaz. L'année dernière, seulement en 2021, BRH payé pour l'État haïtien plus que 900 millions de dollars américains pour gaz. Donc, il prend 900 millions de dollars dans l'argent qu'il gagne pour payer gaz pour l'État qui dit le bagage de dollars. Donc, l'organe ça a capté chaque mois, chaque année, mais vient réduire possibilité, je dis, pour que le dollar qui est disponible dans le pays, ça ne va pas oublier tout. Dans le temps normal, où tu as gagné 500-600 000 touristes dans le pays par année, mais je dis à la barre de 100 000, mais les gens sont rentrés. Non seulement ils dépensent, mais ils rentrent avec des enveloppes. Donc tout ça, ils viennent créer une situation, ça ne pas oublier tout. Il y a des acteurs dans l'économie qui utilisent les dollars pour faire l'argent. Il y a des acteurs dans la banque, il y a des acteurs dans l'exportation qui ont même tout fait comme dans le dollar qui a monté. Ils font comme dans le dollar qui est rare. Et plus l'Iran, c'est plus leur besoin ou prêt pour payer n'importe qui prix qui est au bout. Donc, c'est pour nous comprendre que son situation est extrêmement compliquée et il n'y a pas un seul bouton qui a pesé pour lui. Mais c'est une réalité, effectivement, un problème de dollar cash dans l'économie. Hein. Mais mettez sous ça, j'aime dire là, avec tout problème qu'on gagne, des équilibres commerciaux, des transferts diaspora qui descendent, touristes par entrée, avec des acteurs tout qui de mauvaise foi, qui ont utilisé la situation pour enrichir. Au détriment de la population, hein, moi je pense que c'est important pour que nous notions ça. Je ne sais pas si ça dans tête là aujourd'hui, mais moi ouais récemment, qui quantité milliards de gouttes que banque yo fait par mois uniquement dans le gain de change. Ça veut dire comme yo fait dans le taux de change qui varie entre vous et dollars. Et Zéry Mil, n'a pas de propos, et bref, pour nous, non, réponse sur, puisque n'a pas arrivé. Non, fait, mais dis-moi, comment ça y est au niveau finances publiques, là, recettes l'État, dépenses l'État, comment ça t'y va, Daniel? Ah, très bien. Bon, là, tout c'est un pile problème, catastrophe. Maintenant, c'est une autre fois, moi, ouais, que recettes l'État, sous une année, arrivé 1 milliard de dollars. Faut payer attendre ça. Il y a l'État, 27 700 km², avec toute capacité, le DGI, douane, etc. En 2022, l'État n'a pas arrivé à collecter 1 milliard de dollars américains de recettes domestiques. Donc, c'est à peu près 110 milliards de gouttes, vous mettez dans le dollar, il n'y a pas bon 1 milliard de dollars. Alors que parallèlement, dépense l'État, c'est 165 milliards de gouttes, donc 110 milliards de gouttes de recettes, 165 milliards de gouttes de dépenses. Donc, ma grande différence, de 55 milliards de gouttes de déficit budgétaire dans l'année 2022. Et tout le monde connaît, les déficits budgétaires, qu'est-ce qui couvre pour l'État? Il y a un monde qui est le BRH. Et qui ça fait lui-même pour le couvrir? Il fait création monétaire. Donc, il augmente les gouttes qui circulent dans le pays pour aider l'État vagabond qui fait des ordres, non seulement pas qu'à collecter assez de taxes, parce que l'encombre avec le secteur privé, députés, sénateurs, les sous-frontières, cap volé, cap fait détournement, cap fait corruption, et parallèlement, tout cap dépenser dans des ordres. Si nous ne savons pas qui quantité de cobre, mounisinègue, qui a dépensé dans un ensemble d'activités qui n'ont pas aucun rapport à pays, si nous ne savons pas quantité de cobre, d'intelligence que le ministère de la Justice, le ministère intérieur, primatier a dépensé, pendant que pas gagné, on sait l'intelligence qui existe dans le pays. Donc, tout ça, nous vivons en situation de déficit budgétaire qui est quand même assez élevé. Et qui vient faire que nous vivons l'État qui n'a aucun moyen pour être capable de faire investissement pour la population, que ce soit dans faire l'école, dans faire l'hôpital, dans faire route, dans faire logement. Donc, pas de moyens pour faire ça, pas de moyens pour payer les policiers, pas de moyens pour faire tout ça aussi vous avez fait, mais de moyens pour que les gens fassent, ou tant de directeurs de douane là, qui sont sous point là, qui ont gros cailles, qui ont pile bagaille, pendant que le salaire n'est pas même 100 000 gouttes. Mais mon nom millionnaire dollar américain, ou pas contre comment. Et c'est même bagarre là pour majorité nègre qui était ministre, qui était directeur général dans le pays qui
fait tout bagaille au profit yo, acheter et appartement Saint-Domingue, faire des ordres, acheter machine pour femme, acheter machine pour famille, sans jamais intéresser à créer conditions équilibre pour que le pays soit capable de fonctionner. Donc, mais qui ça, finance publique, a payé, et ça donne nous clairement une conclusion que nous avons la faillite financière de l'État. Donc, nous en pleine faillite financière de l'État, côté que recette l'État pas capable même couvrir 40% de besoins l'argent que vous gagnez, qui est obligé de faire le dépendant de non seulement l'argent pays étranger, l'argent BRH, mais aussi prêt que le compte fait dans ONA, dans BMC, avec une banque privée. Et y a moun qui pense ces sanctions économiques qui prend là contre une série de moun dans secteur privé capable de mettre en péril l'économie, sans penser. C'est une bagaille qui est choquant que moi sur internet là récemment guerrier et que il y a des monde qui dit les opens sanctions qu'on met dans le secteur privé ça va faire l'économie en péril. Au contraire, moi c'est l'inverse. Au contraire, c'est pratique que monde ça a toujours qu'on gagne, pratique de monopole, pratique criminelle qui te fait l'économie en péril, qui te fait l'économie pas jamais marcher. Parce que en économie normale guerrier Pierre Renel a lidé avec Johnny, son économie côté tout le monde des opportunités. Côté tout le monde a accès au crédit. Côté tout le monde garde douané. Nous avons dernièrement nous passé et Daniel Loïs a parlé sur question ça d'attendre dans la radio. Donc l'on économie côté que moun pa gen opportunité, côté que c'est deux trois nèg qui gen port, qui gen tout contrôle. J'aime dire déjà différents produits qui concentrés et en même temps qui pratiquer des bagarres criminelles. Youn a gen gang pour empêcher l'autre de douané. Youn gen gang pour empêcher que l'autre ouvri automatiquement ou gagner une économie qui n'est pas capable de performer. Donc, ce n'est pas sanction qui a fait l'économie en fait faillite. Au contraire, c'est ça qu'on fait comme comportement qui fait l'économie, ça après 218 ans, gagner autant de pauvres là-dedans et gagner autant de monde là-dedans qui n'a pas à manger et pas jamais gagner un niveau de condition de la vie dans notre pays qui veut faire. Donc, moi, je pense que sanction, au contraire, c'est une bonne chose qui pourrait créer éventuellement espace pour le monde qui a fait business plus bien, plus transparent, qui chita sur innovation avec compétition. Mais même d'après le garder dans sens ça surtout et dans sa gain rapport à monde qui prend yo gain sanction sous doyo c'est si de monde qui gain entreprise yo en Haïti et qui peut-être gain entreprise à l'étranger que yo gelé compte yo et qui connia peut-être qu'arrive dans situation yo pas faire transaction et pas yo pas gain assez de moyens tout. Est-ce que ça peut pas favoriser que yo augmenter prix produit que a vendre ambition ou bien passer deux fois plus haut la valeur. Et bon, il est possible, m'pa ka dire affirmatif sur ça. Et mais il est possible effectivement les moun gêné, yo fait n'importe qui bagaille, yo capable effectivement jondi là augmenter prix parce que yo besoin faire plus l'argent dans contexte ou dia. Mais naturellement, des pour un monopole oligopole, il veut dire que moun sa gen business lan toujours abuser dans prix. Et c'est pas pour sans raison qu'on gagne inflation en Haïti. Tout à l'heure, on a parlé de ça, mais il y a tout avec monopole. En économie concurrentielle, prix est toujours plus bas. Mais en économie côté que gagne seulement à quand on gagne seulement 4 monde qui a importé du riz, ou gagne à 7 monde qui n'en fait, ou gagne seulement 3 monde qui n'en farine, etc. Il est difficile pour qu'on capable gagner bon prix dans l'économie ça. Il toujours reflété au prix élevé. Et moi pensais que on capable gagner raison même par l'affirmatif, mais déjà structure de marché que nous gagnons en Haïti a qui très concentré li déjà créé occasion pour que prix toujours très élevé là-dedans mettez sous tout l'autre élément yo t'a dit que ce soit prix transport maritime vin plus cher, inflation internationale vin élevé avec question gaz, avec insécurité, puis même tout qui sont taxes sous business. Parce que les nègres, les gangs, ils prennent le contrôle Cité Soleil. Donc, les gens qui ont des douanes, il faut le payer. Les gens qui ont des badels, ils ont des pour l'ouvrir, il faut le payer. Les gens qui ont passé le container dans le matin, il faut le payer. Les gens qui ont passé sous frontière malpasse, il faut le payer. Donc, tout ça, tout est lié avec la question d'Arababdi, Jean Dila, et comportement que les gens ont gagné, qui était déjà à peu près plus haut. Donc, même pas que ces sanctions qui va faire le pivot. Et cependant, j'en dis là, si vous gênez, tout bel gêné mordé, vous êtes capable toujours de mettre pieds sous nous davantage. Même si vous souhaitez de préférence, c'est faire un verset qui fait sanction bail pour changer comportement et non pas plus aucune plus mauvais.
Mon cher économiste Edier Emile, nous avons rappelé, nous avons reçu un matin et ou même qui t'a partagé avec nous et qui ça nous capable d'utiliser comme qualificatif pour nous parler de bilan et année 2022 sur le plan économique dans le pays d'Haïti. En pile parole, donc maintenant sans ou bien avec messieurs dames qui gain pouvoir là et qui sont penser solution ta carré à court moyen et à long terme. Il y a des gens qui parlent de plan de sauvetage économique, il y a des gens qui parlent tout d'un plan spécial, redressement, etc. Qui est-ce que vous avez même? Tout plan de sauvetage ou café, j'en ai un bon point de départ pour ne pas oublier. Il y a la sécurité, il y a l'autorité de l'État. Ou pas besoin, ou pas aucun plan de sauvetage qui a fait économie marché, les gens ne peuvent pas se placer pour aller dans point A ou bien point B. Ça, c'est point de départ là. Et si on arrive à établir la sécurité dans le pays, il est naturellement pour créer un meilleur environnement pour que l'économie avance plus bien. Ça, c'est un. Deuxième élément, il faut gaz capable disponible de manière régulière dans l'économie. Troisièmement, lutte contre la corruption. Ça veut dire que jodi à la jeune équipe de monde prend contrôle différents ports, douanes, etc. dans le pays, gens que l'argent gaspillé, ou pas prendre disposition pour faire ou pas besoin de parler de plan de sauvetage. Pour moi, ça a aussi préliminaire à plan de sauvetage là. Rive gagner sécurité, rive gagner un pouvoir légitime qui passe dans l'élection et qui est capable d'inspirer confiance. Rive permettre que gaz qui se produit transversal capable disponible de manière régulière, mais aussi lutte contre la corruption. L'offre fait quatre bagages à eux pour nous capacité dans plan de sauvetage pour garder le secteur agricole. Qui ça pour nous faire là-dedans? Est-ce que nous avons un programme crédit à 0%, à 2% pour paysans? Est-ce que nous allons faire des investissements dans l'irrigation? Nous allons faire le secteur touriste. Qui sait chaque secteur a besoin? Nous allons l'aborder. Et le fait que ça fait déjà. Il y a un pile plan qui fait déjà pour chaque secteur dans le pays. Il y a un PSDH. Il y a un PSDH qui écrit depuis 2009-2010. Tout le monde connaît qui ça pour faire dans chaque secteur. Mais je dis, avant nous arriver dans le plan de sauvetage, il faut que préliminaire yo résoudre, j'aime d'abdil là, pouvoir légitime qui passe dans l'élection qui a inspiré confiance, sécurité dans le pays, permettre que le gaz capable de circuler normalement, mais aussi la lutte contre la corruption, qui veut du tout, yon état de droit, il est ça, ou pral passer dans différents secteurs, faire des investissements dans l'infrastructure, dans l'électricité, dans l'irrigation, tout ça qui est de base, yo, il est ça. Ou pas même besoin de monde Haïti open for business, Johnny. Il y a pour elle pour koyo, ni diaspora, ni monde en Haïti, ni monde qui est étranger, il y a pour elle pour koyo. Mais aussi, pays ça, pas qu'à changer. Les que gagne un groupe monde dans le secteur privé qui comporte en mafia, qui comporte en mastodonte, qui contrôle le secteur, il faut que nous arrivions dans l'économie concurrentielle. L'économie concurrentielle, c'est solution pour innovation. C'est solution pour meilleure production. C'est solution pour richesse créée. Donc, 218 ans, avec une économie concentrée, faut que nous cassons, faut que l'État serve le rôle d'arbitre pour qu'il y ait une chance à tout le monde, pour que Daniel Loris soit capable d'importer, pour que l'autre monde soit importé, pour que l'autre monde ait accès, pour que le pageant y ait aujourd'hui, côté une équipe de députés et sénateurs qui fait complot avec Zambie dans le secteur privé pour contrôler les frontières, pour contrôler les douanes, pour contrôler toute bagaille dans le pays, contrôler les banques, contrôler toute bagaille, ça, c'est fondamental. Et si nous ne passons pas là, nous ne sommes jamais capables d'une économie qui a marché normalement. Voilà. Merci un peu, Edzer Emile. Merci un peu, et monsieur, dame, et c'est un plaisir pour nous être avec nous. Merci pour nous qui t'attendez. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, et puis on agit. Désespoir de machination politique et les non-dits. Mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon éditorial, c'est l'espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel par là pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.